bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous accueillons Monsieur Collier au sujet du Centre sportif de Normandie. Merci à lui de s'être rendu disponible. Donc nous allons procéder en plusieurs parties. D'abord Monsieur Collier vous parlera de son parcours scolaire et ensuite de son parcours professionnel. Et il vous présentera le Centre sportif de Normandie ainsi que ses enjeux et objectifs. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions à tout moment. Voilà. Bonjour à tous déjà, merci à vous de cette invitation. En tout cas, c'est un très plaisir d'être parmi vous. Alors sur mon parcours universitaire, c'est autant de plaisir que j'ai moi-même fait ce cursus un peu chinois. Et ma licence il y a longtemps, mon bac en 95, j'ai fait ma licence, c'était une licence, un DEUG et une licence au STAPS à Caen. Alors à l'époque, on me demandait de prendre une spécialité, j'ai fait une mention management du sport, c'était au tout début, je pense, du sport, en tout cas à mon STAPS à Caen. Ensuite, pour des raisons plutôt personnelles, je suis parti à l'université de Bordeaux. J'ai fait un Master 1, Master 2 à l'Université de Bordeaux en management du sport également. Voilà. Alors, qui était un management, une orientation différente de celle de Caen, qui était beaucoup plus axée à l'époque, je parle de Boris, mais beaucoup plus axée sur les politiques publiques, et notamment la place des collectivités territoriales dans le sport, puisqu'à l'époque, j'ai travaillé avec. Renault, Marie-Land. Voilà. Ensuite, j'ai commencé une thèse sur, avec Marie, sur les stratégies de fidélisation de la fédération sportive. Une thèse que je n'ai pas finie. Bien, pas béni pour ça, pas trop d'avis, plus trop d'avis. Puisqu'entre-temps, j'ai eu mon concours, j'ai intégré. Professeur de sport, j'ai intégré le ministère du sport. Voilà. En fait, je travaille à Paris, et, j'ai essayé de la poursuivre en étant toujours à la laboratoire. J'ai arrêté, et sur ma vie professionnelle, donc moi je suis fonctionnaire du ministère du sport, voilà. J'ai d'abord travaillé, mon premier poste c'était en 2000. J'ai travaillé à la direction départementale de jeunesse et sport du Val-de-Marne, à Créteil. Moi, mon histoire dans le niveau, et j'ai pas d'histoire dans le niveau, en tout cas pas au début, ni en tant que, qu'athlète, ni dans le cadre de mes études, puisque vous voyez, je ne suis pas du tout orienté vers une licence d'entraînement, enfin, je ne me destinais pas du tout à ça. Donc j'ai commencé à travailler sur concerner la vie associative au sens vraiment large. Ensuite, je suis parti, encore une fois, pour des raisons personnelles, en direction départementale de Dordogne, en Occitanie. Je suis revenu sur l'Occitanie. Et ensuite, je suis revenu à la direction régionale de France. Voilà. Sur le sport de haut niveau, pour faire simple, je travaille sur cette question-là depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, j'ai d'abord travaillé, j'ai été d'abord correspondant régional du sport de niveau et chargé de l'agrément des centres de formation. Et puis, petit à petit, ce projet-là est apparu et on m'a demandé de travailler sur la préfiguration de l'organisation et du fonctionnement de ce centre. Donc ça, je dirais, c'est mon parcours universitaire et professionnel. Donc, sur le haut niveau, j'y suis arrivé, très simplement parce que la personne qui s'en occupait quittait la fonction. J'ai postulé pour avoir ce poste et donc je suis arrivé sur cette question-là. J'ai pas pu expliquer pourquoi ça m'a toujours intéressé. Et puis ce projet-là naissant, on m'a demandé de travailler dessus. Après, en parallèle, j'ai eu aussi un investissement. A été un peu, enfin on en parlait en aparté, mais qui a été un peu décisif à mon avis dans ces fonctions-là. J'ai toujours encadré et entraîné des équipes de handball. Voilà. Donc j'ai un brevet d'état deuxième de handball. Et puis j'ai entraîné des équipes
dans les équipes nationaux, puis au camp de balle et à Colombelle. Voilà. Moi, j'ai fait ça avec, pas avec une voix de j'ai fait ça avec Christian Lemoine, qui maintenant est parti en Bretagne, en binôme pendant une dizaine d'années. Et ça m'a donné, je pense, par rapport à mes fonctions là, une certaine prise de conscience des, de l'opérationnalité et des difficultés que peuvent avoir les responsables de structure dans l'accompagnement d'un jeune pour le sport de monde. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands principes, mais à un moment donné, il faut être aussi capable de trouver des organisations très opérationnelles qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir vivre de la meilleure des façons leur projet. Et puis, plus globalement, dans l'attribution de cette mission-là, le fait que j'entraîne au niveau intéressant, attention, mais a certainement facilité les décideurs dans leur choix de m'attribuer cette fonction. Voilà. Je ne sais pas si je suis. Voilà. Donc, ça, c'est. C'est des parcours. Alors, on en parlera à la fin, mais. Il n'y avait rien de prévu par rapport à ça. Pour autant, toutes les expériences que j'ai pu mener, qu'elles soient professionnelles ou associatives, même personnelles, m'ont aidé dans ces fonctions-là. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Enfin, alors après, dans le mode de fonctionnement. En tout cas, moi, je sais pas comment ça se passe habituellement. Ce que je disais, c'est que moi, j'aime bien que ce soit assez interactif. Donc, si vous voulez m'interpeller sur quelque chose que vous comprenez pas, vous me le dites. Si vous voulez donner votre point de vue, n'hésitez pas. Enfin, voilà, l'idée, c'est que ce soit riche. Moi, je vous livre un peu la manière dont je vois les choses, la manière dont je les organise. Je m'appuie sur un cadre réglementaire, je m'appuie sur des habitudes que je suis allé prendre ailleurs. Pour autant, j'y mets aussi, je pense, ma personnalité. Je conçois tout à fait qu'on puisse construire les choses différemment et organiser les choses différemment. Voilà, donc je suis très ouvert par rapport à ça. Je le dis aisément parce que je sais que j'ai des collègues ailleurs en France qui ne travaillent pas comme moi. Voilà. Ça m'empêche pas de dormir et eux non plus. Assurez-vous, et ça ne nous empêche pas d'échanger. Voilà. Voilà, si vous voulez m'interpeller, n'hésitez pas. On démarre ou pas ? Ouais, c'est bon ? Très bien. Alors, en fait, la première diapo, j'ai voulu la faire comme ça pour vous résumer un petit peu. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été dans des... Alors, Charles-Élie, oui. Toi, tu as été en pôle, à Évreux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont connu ces parcours-là ? Ou qui encadrent des jeunes qui sont dans ces parcours-là ? Oui, tu es dans quel OCBC ? Ah, mais oui, je t'ai vu, oui, tu es déjà venu au centre, exact. Tu n'avais pas la barbe. D'accord, ok. D'accord, très bien. Donc, tu vas voir, hein, y a des choses que tu vas retrouver. Donc, Charles-Élie, toi, en tant qu'athlète, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous êtes, alors c'est une question peut-être idiote, mais est-ce que vous êtes dans des clubs, pour certains d'entre vous, ou pas du tout ? Non ? Toi, dans quelle discipline ? Le foot, d'accord ? Ça tombe bien que tu me dises ça. Alors voilà, moi, moi, les propos que je vais avoir sont des propos qui concernent le sport de haut niveau. Alors plutôt le début, hein, du sport de haut niveau, mais plutôt du sport de haut niveau que je qualifie encore d'amateur. C'est-à-dire que la plupart des athlètes, pour pas dire la totalité des athlètes, qui sont, alors je fais une exception avec le basket. Mais qui sont au sein de cette structure-là, donc sont déjà des mineurs, mais même quand ils deviendront majeurs, ils sont dans des disciplines où, sauf à s'appeler Teddy Riner, donc il y en a un dans leur activité, sont des activités où ils ne gagneront pas leur vie de leur carrière de sportif professionnel,
ou s'ils gagnent leur vie de leur carrière, n'en gagneront pas suffisamment pour ne pas envisager une préparation de leur avenir professionnel. Voyez, je travaille avec des responsables de structure qui sont dans des disciplines, je vous les présenterai. Leur problématique, on peut pas la comparer à la problématique du football ou du sport professionnel dans son ensemble. Sport professionnel au sens où il y a des compétitions qui génèrent un spectacle, je sais pas si le terme vous convient, mais et qui génèrent suffisamment de ressources pour parfois, notamment je pense au foot ou au basket à très haut niveau, envisager une reconversion professionnelle parce qu'on ne peut pas ne rien faire, mais en tout cas avec, je dirais pour ceux qui ont réussi, une base financière qui leur permette de l'envisager sereinement. Moi, je suis avec je suis dans des disciplines, le cyclisme, le canoë-kayak, où l'activité ne leur permet pas ça. Ça leur ouvre des réseaux, ça leur ouvre des opportunités qui vont leur permettre d'obtenir des postes professionnels intéressants, mais pour obtenir les postes professionnels, il faut qu'ils aient quand même un diplôme et une formation professionnelle. Donc mon discours peut être en décalage avec ce que vous pouvez entendre dans les journaux, ce que vous pouvez entendre à la télé, ce que vous pouvez lire dans la presse, d'accord ? Voilà, je suis vraiment sur une discipline très particulière. Alors je veux bien qu'on revienne sur la diapo d'avant, si ça t'embête pas. Voilà, donc moi mon travail il se résume à ça, c'est-à-dire que, j'ai choisi ces photos-là pas par hasard, c'est-à-dire que quand je regarde le parcours de tous les jeunes qui sont au centre, il y a des moments qui sont décisifs et qui sont décisifs pour continuer ou malheureusement décisifs parce que ça s'arrête, d'accord ? Donc la première diapo, parce qu'on dit beaucoup de choses autour du sport de haut niveau, mais moi la première diapo du milieu qui est là, la plupart des jeunes qui rentrent au centre sportif de Normandie et dans le début du sport de haut niveau, qui est le moment où on les détecte, où on les repère. En fait, la principale raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font. Au début, pas toujours le cas à la fin, mais au début, quand ils arrivent, nous, il y a des collégiennes qui arrivent, par exemple, maintenant, des collégiens, elles sont passionnées par leur activité, mais au sens du jeu et de la, et voilà, ils aiment l'activité sportive qu'elles pratiquent. Alors, ce qui est souvent décisif quand on les interroge, c'est que c'est souvent lié au premier entraîneur ou à, vous savez, l'entraîneur de jeunes qui les prend et puis qui leur donne le plaisir de jouer, le plaisir de découvrir l'activité. Voilà. Alors, je vais prendre l'exemple de Charles Elie, mais moi, je connais bien la dame qui s'occupe du club dans lequel il a commencé, parce que ça a été une personne qui m'a entraîné. Et alors, elle a des défauts, mais il y a une certitude, c'est que c'est quelqu'un qui, quand on est enfant, elle vous donne envie de pratiquer. Vous voyez ? Donc ça, pour moi, c'est une des premières clés et une des premières raisons pour lesquelles les jeunes rentrent. La deuxième, alors j'ai mis celle-ci. C'est un papa avec son petit garçon. C'est aussi la famille. C'est que quand ils rentrent dans des parcours sur le haut niveau, la famille est vraiment une clé. Elle est une clé dans l'accompagnement, c'est-à-dire que je vous parlais, on a un pôle cyclisme. Eh bien c'est une activité qui est coûteuse. Des vélos, il faut, voilà, ça, c'est des vélos qui coûtent cher. Et c'est non seulement coûteux, mais en plus, ça nécessite énormément de déplacements. Donc, si la famille, à un moment donné, s'implique pas dans les compétitions sportives du jeune, malgré tout le potentiel que le jeune peut avoir, il sera pas repéré, il sera pas détecté. D'accord ? Et puis, ça, c'est le côté sympa. En général, moi, je me retrouve avec des familles très impliquées, voire trop impliquées, qui m'arrivent parfois d'être en conflit, mais de devoir repositionner les parents dans leur comportement avec les enfants, mais même avec les institutions en général, les parents un peu envahissants ou exigeants, trop exigeants avec les autres, avec leurs enfants. Donc, ça arrive qu'il y ait des jeunes qui arrêtent, parce qu'à ce niveau-là, à un moment donné, ça fonctionne plus, d'accord ? Ou c'était pas vraiment le projet du jeune, c'était plutôt le projet du papa, d'accord ? Après, l'autre facteur, je l'ai un peu dit tout à l'heure en évoquant l'anecdote avec Charles Elie, c'est pour moi l'entraîneur qui est là, qui est assez l'entraîneur ou les entraîneurs qui sont décisifs dans le parcours des jeunes.
Moi, je vois à la fois beaucoup de jeunes qui, sur un même potentiel, si vous prenez deux jeunes, il y a des jeunes qui, des fois, arrivent avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de motivation, parce qu'au sein du club, ils ont quelqu'un qui les accompagne bien. À l'inverse, vous avez des jeunes qui sont déjà fatigués, pour pas dire usés, de la pression familiale, voire des entraîneurs qu'on leur met, voire aussi parfois des entraîneurs qui n'ont pas de compétences. À un moment donné, il faut aussi se dire les choses, et qui ne leur donnent pas nécessairement les outils qu'il faut pour y arriver. D'accord ? Donc là, j'ai mis cet entraîneur-là sur les jeunes, mais après, si on prend un sport collectif, vous avez votre entraîneur de pôle la semaine, le week-end, vous avez votre entraîneur de club. Selon la compétence de l'entraîneur de club et de l'entraîneur de pôle, d'ailleurs, votre réussite, elle est aussi liée à ces personnes-là, elle n'est pas liée qu'à vous. Vous savez, dans le sport de haut niveau, on a toujours tendance à dire, si tu es motivé, si tu es déterminé, tu vas y arriver. C'est un facteur déterminant, ça c'est certain, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que s'il suffisait simplement d'être très motivé, il y a beaucoup de gens qui seraient sportifs de haut niveau. Il y a aussi tout un environnement qu'il faut réussir à mettre en place pour que le sportif réussisse. D'accord ? Donc après, vous faites ça, votre parcours dans le club, alors il y a tout un tas ils vivent tout un tas de repérages, et puis après, ils arrivent là. Donc là, pour moi, là, c'est l'image qui symbolise l'arrivée en pôle. D'accord ? Donc vous voyez, c'est un peu plus... c'est un peu plus standardisé, on va dire, un peu mieux organisé. Donc, on arrive dans une structure pôle. Je vous disais, globalement, quand ils arrivent, moi, je le vois tous les ans. Là, c'est ma deuxième rentrée. Ils arrivent plein d'entrain. On a déjà une première problématique, c'est que ce sont des jeunes qui passent pour la plupart de 2-3 entraînements par semaine à 12 heures hebdomadaires. D'accord ? Donc, ne serait-ce que la charge d'entraînement, d'être capable physiquement d'absorber et mentalement d'absorber ça, est une difficulté, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on, justement, on met en place toute une structure d'accompagnement autour. Voilà. Donc, moi, je travaille essentiellement avec les jeunes qui sont là, qui arrivent en pôle, d'accord ? Puis après, on y met tout un tas alors ce qu'on appelle pompeusement les facteurs connexes à la performance sportive, c'est-à-dire tous les éléments. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe dans le gymnase, je m'en occupe pas. Par contre, j'essaie d'organiser tout ce qu'il y a autour, de façon à ce que les jeunes vivent de la meilleure des façons et soient le mieux accompagnés possible dans leur ce qu'on appelle le double projet. D'accord ? Donc un autre paramètre. Donc une fois que vous êtes là, on y greffe tout un tas de ressources. Donc j'ai mis un médecin. Voilà, on a toute une structure médicale, paramédicale. Cette année, on a eu une expérience un peu difficile, c'est-à-dire qu'il y a un athlète qui est rentré, et sur les bilans d'entrée, notamment des bilans cardiaques, on s'est rendu compte que la personne ne pouvait pas, le jeune ne pouvait pas rester sur la structure parce qu'il avait une pathologie cardiaque. Alors c'est délicat d'un point de vue sportif. Après, je vous avoue que je suis plutôt content pour cette personne-là parce que ça nécessitait une opération et elle a été prise en charge et tout va bien. Et la personne dont je parle, enfin ça reste des mineurs, hein, c'est une personne de 15 ans. Donc on a pu détecter ça. Donc on a toute une organisation que je vous expliquerai, médicale et paramédicale. Après, on parlait du double projet. Vous avez des enseignants qui travaillent autour des jeunes. Vous avez moi j'ai une personne qui est en charge de la coordination du quotidien. Enfin, il y a tout un tas de personnes qui travaillent autour des athlètes. Et chacun apporte, je dirais, sa petite pierre, à l'édifice. Voilà. Et certains, alors c'est pour ça que je l'ai mis en haut, arrive en haut à gauche sur des équipes nationales jeunes. Alors là, on est toujours très content, mais c'est que le début. Et puis pour d'autres, sur un titre olympique, moi, j'ai pas eu encore d'athlètes qui sont... Si, le seul qui a une... Bref, c'est, je sais pas si vous connaissez, Benoît Cosnefroy, qui est passé par le Pôle Espoir Cyclisme, et qui l'année dernière a été sacré champion du monde espoir sur route. Voilà.
C'est le seul qui a, je dirais, vécu tout ça. D'accord? Voilà. Donc ça, quand on arrive là, déjà on a bien travaillé, mais c'est réservé à très très peu. Hein. Nous, c'est une dizaine d'athlètes qui sont là. Hein. D'accord? Et ici. Voilà, donc ça c'était un peu pour illustrer la philosophie, je dirais, du sport de haut niveau. Enfin, en tout cas, moi, telle que je la vois, le dénominateur commun de ceux qui arrivent là, et je pense ici, c'est que la passion de départ de la discipline sportive s'est jamais éteinte, en fait. Alors, ou parce qu'ils ont été très motivés, mais aussi parce qu'ils ont été, à mon avis, bien accompagnés. Voilà. Et ça, c'est Benoît Cosnefroy. Il est toujours, je pense, autant passionné de cyclisme que quand il avait cet âge-là, en fait. Vous voyez? Alors, il est passé par des moments difficiles, mais il a toujours gardé cette passion-là. D'accord? Après, sur le projet que je vous ai présenté, je vous ai mis en dessous volontairement tous les partenaires du projet. D'accord? Donc, je l'ai mis au milieu, mais le partenaire principal est la région Normandie, qui finance énormément le sport de haut niveau, que ce soit les structures d'entraînement ou le centre sportif de Normandie directement. D'accord? Ça, on reviendra dessus après. Le ministère des Sports, bah, je vous le disais, moi, je suis fonctionnaire du ministère des Sports et en fait, je suis mis à disposition de la structure. Mais j'ai deux autres collègues, un à Rouen et un au Havre, qui est dans la même situation que moi. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, qui, alors on critique souvent l'Éducation nationale, mais qui fait énormément pour le sport de haut niveau. D'abord en aménageant les emplois du temps, d'accord. C'est-à-dire que dans les établissements scolaires qui sont concernés par cette structure-là. Les jeunes ont des emplois du temps qui leur permettent de s'entraîner de manière bi-quotidienne, c'est-à-dire le matin et le soir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils mettent des moyens humains et des moyens financiers. Enfin, je vous expliquerai par la suite. Voilà. Ça, on en parlera après. L'INSEP, puisque le Centre sportif de Normandie, on travaille avec l'INSEP. Vous connaissez l'INSEP? Tout le monde connaît? Ouais. Y aller? D'accord. Sur la structure du pôle, qu'est-ce qui fait que c'est un pôle? C'est-à-dire, est-ce que vous devez répondre à un cahier des charges, oui, qui est édité, alors, soit par les fédérations ou plus probablement par le ministère, j'imagine? Et dans ce panorama-là, bah, qu'est-ce qui distingue un pôle de ce qu'on pouvait appeler auparavant, qui existe toujours aujourd'hui, je sais pas moi, le sport-études, ouais, ce genre de choses. J'ai en tête par exemple les jeunes collégiens de mono qui jouent au basket, qui ont donc des aménagements, mais qui, ouais, n'en sont pas pour autant toutes et tous engagés dans du haut niveau. Ouais. Alors sur l'épaule, effectivement, c'est un cahier des charges. C'est un cahier des charges qui est porté alors, à la fois par le ministère des Sports, qui va plutôt poser les conditions, je dirais pas les conditions hors spécialité sportive, sur l'aménagement, les nécessités d'aménagement horaire, l'obligation du suivi médical réglementaire. Des actions autour du dopage, des paris sportifs, voilà tout ce qui peut être commun à l'ensemble des disciplines. Et puis la fédération, là on parle du basket par exemple, qui lui va poser ses conditions liées aux caractéristiques de sa discipline. Par exemple, la fédération française de badminton considère que les pôles espoirs, c'est un petit peu cinquième, quatrième, troisième, seconde, parce que à l'international, s'ils commencent pas à travailler
sur ces catégories d'âge-là, ils se sont rendus compte que les jeunes Français pouvaient pas sortir, d'accord ? Vous prenez une discipline comme le cyclisme, l'entrée en pôle ne commencera qu'en seconde, parce que la maturité physique fait que ça sert à rien de les avoir plus tôt. Donc ça, c'est chaque fédération qui va définir les caractéristiques propres à sa discipline au regard de la concurrence internationale. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Le handball, par exemple, a décidé de rajeunir ses années d'âge parce que pour rester, ils pensent que grâce à ça, ils vont rester concurrentiels au niveau international. Donc effectivement, c'est un cahier des charges qui est proposé par les fédérations et qui est validé par le ministère des Sports. Après, il y a plein de structures en amont, par rapport à ta question, Boris, plein de structures en amont des pôles. Et au collège Mono cohabitent des jeunes du pôle espoir. Et pour les, alors le pôle espoir, c'est 4e, 3e. Et pour certains jeunes, plutôt des canets, mais ils ont une organisation identique dans la Manche et dans l'Orne et en Seine-Maritime, enfin sur l'ensemble de la Normandie. Pour des 6e, 5e, ils proposent ce qu'ils appellent une section sportive, qui n'est pas un pôle, qui n'est pas soumis à un cahier des charges, qui n'est pas validé par le ministère des Sports, mais qui est, je dirais, un accord tacite et conventionné entre le comité départemental de basket et le collège Mono pour commencer à préparer des jeunes à potentiel pour l'intégration du pôle. D'accord ? Voilà. Alors, le centre sportif de Normandie, enfin, on va y venir après, mais c'est pas un pôle, c'est une structure qui propose des services et qui accompagne les pôles dans leur travail et leur fonctionnement quotidien. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres... Il y a des questions ou pas ? Oui. Moi, j'entends bien. Voilà. Ah oui, c'est pour l'enregistrement. Par rapport à ces jeunes, du coup, je sais pas, en fait. Ah bon ? Ça enregistre, je pense. Ok. qui s'impliquent dans leur sport passionnément, vraiment, ce que j'ai compris. Est-ce que les scolaires un peu plus que de la moyenne, du coup, parce que ils sont peut-être un peu moins impliqués dans tout ce qui est scolaire, etc. Ou est-ce que ça fait partie du double projet ? Alors, il y a pas, alors moi, je manque de recul par rapport à ça, puisque c'est que la deuxième année là, que la structure est ouverte. Au niveau national, si on prend, il n'y a pas plus d'échecs scolaires que pour les autres, parce qu'il y a des aménagements. Par contre, pour être très franc, il y a parfois des parcours scolaires qui peuvent être, comment je pourrais dire ça, qui peuvent être faits pas par défaut, mais des orientations ou des options scolaires qui sont choisies parce que le jeune souhaite absolument rester en structure, que ce qu'il voudrait faire n'est pas possible, et du coup il se réoriente vers une filière scolaire, alors pas plus facile, mais plus adaptée à son parcours, d'accord ? C'est un biais. Le rectorat, l'éducation nationale en a conscience, tente d'y répondre. Mais par exemple, moi j'ai des jeunes qui font des formations, des hockeyeurs par exemple, qui font des formations dans les métiers professionnels, les métiers du bois, les métiers de la plomberie. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand ils sont en stage en entreprise, le patron qui les prend en stage ne peut pas nécessairement aménager les emplois du temps comme il le souhaite. Voilà. Donc, pour être très franc, il y a quand même les filières générales et classiques se prêtent plus à un parcours pour ces jeunes-là que des filières très, 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 très particulières. Mais tu retrouves le même souci à l'université. C'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir, qui est là, et qui va dire, moi j'avais une jeune en judo, elle avait été au championnat d'Europe de judo. Elle a voulu faire PACES. Donc elle a arrêté le judo. Qui est, à mon avis, la meilleure des choses qu'elle puisse faire. Voilà. Mais elle a fait le choix d'arrêter le judo. Voilà. Donc, il y a aussi à l'université,
des formations qui se prêtent plus que d'autres. Quelqu'un qui veut faire médecine, très sincèrement, si vraiment il veut le faire correctement, il peut pas faire les deux. Par contre, il y a des l'UFR STAPS, ça s'y prête plus, les IUT, ça s'y prête plus. Enfin voilà. Donc, mais après, en échec scolaire, non, globalement, on n'a pas plus. Voilà. Alors, après, donc tout ça, c'est un peu la vie de l'athlète, ça. Hein, c'est un peu, j'ai essayé de le résumer comme ça. Après, par rapport à la question qui a été posée sur l'épaule, tout ça, ça s'inscrit dans un cadre réglementaire que je vais vous présenter, qui est celui d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit celui de demain, parce que aujourd'hui, le ministère des Sports, son existence est interrogée, donc son cadre réglementaire, il pourrait changer. Pour l'instant, c'est celui-là. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapo d'après. Juste avant, pour revenir sur la problématique des emplois du temps. Oui. Quelles sont les principales problématiques logistiques en termes d'emploi du temps qu'il peut y avoir dans le fonctionnement de la structure du fait des différents pôles? Par exemple, si certains sportifs ont des contraintes horaires. Ouais. C'est une bonne question. En fait, on a, avec le rectorat, on a on a coloré les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'on a choisi des lycées et on y a adossé des pôles qui partageaient les mêmes contraintes horaires. Alors, le meilleur exemple, c'est le hockey sur glace. Donc, il y a un pôle espoir hockey sur glace, qui est avec une structure d'entraînement en natation, qui est pas un pôle, mais voilà, qui existe. Et eux, ils ont accès à la glace que le matin très tôt et à la piscine aussi le matin très tôt. Donc, tous les hockeyeurs qui sont en pôle, alors, sauf ceux qui font de l'enseignement professionnel, mais qui sont sur une filière générale, vont au lycée Malherbe, d'accord, et ils n'ont pas cours de 8h à 10h, globalement, enfin 8h, 9h30, et ils prennent les cours après. Donc, ils font la glace le matin, après, ils sont en cours, et ils refont la glace en fin de journée, d'accord. Donc, ça, c'est une forme de réponse. À l'inverse, au lycée La Place, on a mis les structures, on a mis par exemple le canoë-kayak et le cyclisme, parce que à cette période de l'année, il faut qu'ils optimisent le temps d'entraînement quand il fait jour. Enfin, ça paraît bête, mais c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être sur l'eau à 17h, ils peuvent plus être sur l'eau au mois de décembre, parce que ben, y a plus de lumière. Donc, ils peuvent pas y être très tôt le matin, parce que il fait nuit, puis il y a beaucoup de circulation, et c'est dangereux pour les cyclistes, par exemple, pour les kayakistes, ça va. Donc eux, ils sont sur des créneaux d'entraînement, c'est le 10h midi. Donc le lycée qui les a aménage de façon à ce qu'ils soient libérés de 10h à midi. Vous voyez ? Et après, je sais que Boris est très basket, mais par exemple le basket, eux, ils sont à Victor Hugo parce que depuis toujours, ce lycée-là accueille les basketteurs. Ils ont un gymnase qui est adossé au lycée et ils s'entraînent vers 11h, 11h30, ils font un petit 11h, 12h30, quoi. Voilà. Donc, et alors ça a l'avantage que les chefs d'établissement n'ont pas un 8-10 à aménager, un 10-12, enfin, ils n'ont que les mêmes créneaux à organiser. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et tout ça, tous ces aménagements-là, c'est possible parce que... alors par contre, il n'y a pas moyen de la réduire, la diapo. On manque des bouts là. C'est pas grave. Je vais me débrouiller. Bon, c'est pas grave. Donc parce qu'il y a un cadre réglementaire, d'accord. Le premier cadre, enfin, donc le sport de haut niveau, ouais. Comment... Donc ça a une définition. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que on a tendance des fois à dire voilà, je fais du sport de haut niveau. Si je m'en tiens au comment
la définition du ministère des Sports. En clair, c'est pas parce qu'on s'entraîne beaucoup qu'on fait du sport de haut niveau. D'accord? C'est pas suffisant. Les nageurs s'entraînent beaucoup. Pour autant, ils n'ont pas nécessairement le statut d'athlète de haut niveau. Vous voyez? C'est-à-dire que le faire du sport de haut niveau, c'est moi quand j'entraînais au handball, on s'entraînait beaucoup, mais on n'était pas des entraîneurs et des handballeurs de haut niveau. D'accord? Ça nous demandait beaucoup de travail, mais on n'avait pas on n'avait pas ce statut-là ni ces contraintes-là. Donc déjà, le premier critère, c'est qu'il faut que la discipline soit reconnue de haut niveau. Je crois qu'il a été étudiant ici. Par exemple, vous connaissez Martin Dutry? Non, vous connaissez pas, ça vous dit rien. Lui, je pense que ça va se régler rapidement. Malheureusement pour lui, actuellement, aux yeux du ministère des Sports, il fait du paddle en course, enfin en endurance, enfin, pas en vague, n'est pas une discipline actuellement encore reconnue de haut niveau. Il y a un débat actuellement aussi autour du char à voile, où le char à voile, il y a des champions du monde, ils organisent des compétitions, mais la discipline n'est pas encore reconnue de haut niveau. Pour qu'elle le soit, il y a tout un tas de critères, notamment de représentativité à l'international, en filles et en garçons, c'est-à-dire que la discipline, il faut qu'elle soit pratiquée par de nombreux pays, à la fois par des filles, à la fois par des garçons. Et puis après, il y a un peu de lobbying, d'accord ? Des fédérations internationales, nationales, pour que la discipline soit reconnue, d'accord ? Après, pour être sportif de haut niveau, alors il faut à terme être capable de participer à des compétitions de référence. Alors les compétitions de référence, il y en a trois, c'est les championnats du monde, les championnats d'Europe et les Jeux olympiques. Alors, championnat du monde, championnat d'Europe, c'est à la fois pour les jeunes, à la fois pour les seniors. Et Jeux olympiques, ben, là maintenant, il y a les Jeux olympiques de la jeunesse là, qui avaient lieu en Argentine cette année. Mais voilà, les compétitions de référence sont celles-ci. C'est pas, il suffit pas d'être champion de France, entre guillemets, pour être sportif de haut niveau. Après, il faut être inscrit sur une liste. Alors toi, Charles-Élie, tu l'as été, je pense. A été listé dans la catégorie espoir. Après, vous avez la catégorie relève. Catégorie relève, c'est pour les jeunes qui sont qui participent à des, qui sont sélectionnés dans en équipe de France dans leur catégorie d'âge. Et après, vous avez les seniors. Donc là, vous êtes en équipe de France senior, mais vous n'avez pas de résultats dans les compétitions de référence. Et après, vous êtes dans la catégorie élite si vous commencez à avoir des titres. D'accord. Enfin, si vous êtes sur le podium des compétitions de référence, d'accord. Si on prend des Nicolas Karabatic et sportif de niveau dans la catégorie élite, d'accord. Après les projets de performance des fédérations, ça j'y reviendrai. En gros, c'est chaque fédération, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, chaque fédération qui définit sa stratégie pour former ses athlètes de haut niveau. Et pour leur permettre, voilà, c'est, en gros, comment je vais être organisé sur le territoire national pour que, de mon école de judo jusqu'à mes équipes de France, comment je vais faire pour que ben, des jeunes à potentiel dans les écoles de judo, ils arrivent sur les équipes de France, d'accord. Donc ça, c'est ce qui est défini par le code du sport aujourd'hui. Demain, bon, tout va pas changer. Hein. Y a quand même une tendance, pour être franc, à ce que demande à ce qu'on assouplisse un peu ça, les listes, d'accord. C'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de listés, mais que ceux justement qui sont pas en liste soient quand même pris en considération, d'accord. Moi, sur le centre sportif de Normandie, je n'ai que 50% de jeunes qui sont listés, c'est-à-dire qu'il y a 167 athlètes. Il n'y en a que 50% qui sont inscrits sur les listes. Et en relève, sur 167, il y en a peut-être même pas 10%. D'accord ? Voilà. Et j'ai pas de senior ni d'élite, puisque moi je travaille que sur les mineurs. D'accord ? Après, tu parlais des aménagements. C'est le code de l'éducation qui permet ça. C'est-à-dire que très clairement, c'est inscrit dans le code de l'éducation que ces jeunes-là, qui sont là-dessus, donc tu as fait partie, Charles-Élie, puissent bénéficier d'aménagement scolaire. D'accord.
Et ça s'est traduit par une convention qui a été signée entre le rectorat, la direction régionale et le conseil régional pour justement qu'on puisse mettre en place ce que demande le code de l'éducation. D'accord ? Donc ça, c'est le cadre réglementaire. OK ? Après, le cadre réglementaire, il se met en place si les personnes avec lesquelles on travaille, enfin, c'est souvent des affaires de personnes, d'accord ? Le cadre, la réglementation, si chacun reste campé sur sa réglementation stricte, on a parfois beaucoup de difficultés à avancer, d'accord ? Donc moi, je travaille avec les chefs d'établissement, avec des personnes au rectorat. Actuellement, les personnes qui gèrent ces questions-là ont plutôt envie que les choses avancent et sont plutôt sensibles à la situation des jeunes sportifs. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Donc parfois, en termes d'aménagement de scolarité, on n'obtenait pas toujours ce qu'on voulait. D'accord, c'était parfois difficile. D'accord. Donc ça, c'est le cadre réglementaire. Alors, il manque un bout, mais c'est pas grave. Après, il y a un cadre que moi j'ai appelé normatif, qui a été évoqué par Boris. C'est-à-dire que chaque fédération définit un cahier des charges et explique globalement, définit les règles de fonctionnement de ces structures d'entraînement. D'accord ? Et ça, c'est propre à chaque fédération. Okay. J'avais en tête... Les pôles de haut niveau qui en fait étaient associés en général à un sport, oui. Et pouvaient être, dirigés par un club pour l'essentiel. Je crois que c'est le modèle par exemple du baseball à Rouen. Oui. Alors oui. Vas-y. Alors en tout cas la singularité du modèle, c'est que finalement le centre sportif de Normandie semble faire fonctionner plusieurs sports. Ouais, je vais venir après. Voilà, et justement, je vois dans les partenaires l'INSEP, qui développe d'ailleurs, enfin qui tente de développer des structures au niveau régional. Oui. Est-ce que par exemple, ce modèle-là est déjà un modèle précurseur par rapport à ce qui va advenir par la suite, ou à l'inverse, un modèle en bout de souffle, ou justement, est-ce que vous n'allez pas être transformé finalement non plus en centre sportif de Normandie, mais en INSEP normand? Alors, on parle sans filet là. Du coup, la question elle était assez franche. Ouais. Bon, c'était le. Alors j'ai mis, on le voit pas bien, mais ça s'appelle le Grand INSEP. C'est l'ambition de l'INSEP. Quand c'était Jean-Pierre de Vincenzi, qui était directeur général de l'INSEP. Parce qu'à l'INSEP, on reprochait beaucoup que ce soit un peu la très haute performance qui soit là-bas, mais un peu replié sur soi. Globalement. Et ils se sont aussi rendus compte que paradoxalement, ils avaient des athlètes, c'était 40% des médaillés olympiques qui n'étaient pas à l'INSEP. Enfin, 50% des médaillés olympiques n'étaient pas à l'INSEP. Et parmi ces 50%, il y en avait 40% qui étaient sur des modèles d'organisation, très personnels, en fait. Très local, voire familial, voire individuel. D'accord? Donc, l'INSEP s'est un peu interrogé en disant, ok, nous on travaille bien, hein, parce que quand même 50% des médaillés étaient à l'INSEP, mais c'est plus le seul modèle. Donc, ils ont créé ce qu'ils appellent le Grand INSEP, qui est une labellisation de structures comme le Centre sportif de Normandie, en disant, on vous soumet un cahier des charges, vous essayez d'y répondre. Et si vous répondez à ce cahier des charges, vous pouvez prétendre à une labellisation. Alors j'en parle après, mais de trois niveaux, bronze, argent, or. Voilà. Donc nous, on est candidat, par exemple, à la labellisation bronze. La philosophie, c'était de dire, effectivement, il va y avoir des structures, des INSEP régionaux, entre guillemets, où à la fois on offre une lisibilité en termes de... Parce que l'INSEP, finalement, tout le monde connaît sans savoir réellement ce que c'est. Presque une marque. Enfin, moi, je pense que c'est une marque. C'est pas qu'une marque, mais en tout cas, moi, j'ai fait quand je suis arrivé au Centre sportif de Normandie, on a tout un tas d'investissements et d'organisations à faire valider. Et bien que ce soit auprès du conseil régional, auprès des acteurs locaux, quand on dit qu'on travaille
et qu'on est accompagné et qu'on est en cours de labellisation par l'INSEP, c'est beaucoup plus facile à obtenir une prise de décision favorable que si on n'évoque pas ce point-là. Ça, je l'ai remarqué. Donc, c'est en ça où je dis que c'est une marque, d'accord ? Et donc, la philosophie de l'INSEP, c'était de dire deux choses. Un, on s'assure que dans les structures régionales, entre guillemets, INSEP, il y a un socle minimum qui soit favorable à la performance sportive. Et l'autre philosophie, c'était de dire un sportif de haut niveau qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, arrive sur Caen, eh bien, on peut lui dire, eh bien, écoute, voilà, bon, t'es là que pour un an. Je vais vous donner un exemple en plus très concret. T'es là que pour un an. Eh ben voilà, il y a le Centre sportif de Normandie qui est à Caen ou le CRJS qui est à Petit-Couronne. Ils sont labellisés Grand INSEP. Si tu vas les voir, ils vont pouvoir t'offrir un certain nombre de services. Et ils avaient même identifié une liste d'athlètes où les services étaient gratuits. Alors moi, j'ai été confronté à ça avec une collègue qui s'appelait, enfin une karatéka qui s'appelait Émilie Thouy, qui était championne du monde, championne d'Europe il y a 2-3 ans en karaté, et qui a eu le professorat de sport et a été affectée, on ne sait pas trop pourquoi, à la direction départementale du Calvados. Et donc elle, elle s'est retrouvée arrivant ici, sans entraîneur, sans préparateur physique, sans lieu d'entraînement, sans rien. Et la Fédé avait pas forcément beaucoup de solutions à lui proposer, voire enfin, peu de solutions. D'accord. Et bah, nous, en lien avec l'INSEP, on lui a trouvé, alors ici, on lui a trouvé un préparateur physique qui, pendant un an, l'a accompagné. Alors, c'était Johan Franchequin de Cantreny, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, il se trouve qu'au Centre sportif de Normandie, il y a un dojo, donc on lui a permis d'accéder au dojo, et elle a pu bénéficier du suivi médical. Voilà. Alors, c'était pas l'idéal, parce que entre ses besoins à elle, sur de la haute performance, bon, en gros, l'idéal, c'est, il aurait fallu qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit nommée à Paris et qu'elle puisse continuer à être à l'INSEP, parce qu'on était, en plus, c'était où, l'année où on venait d'ouvrir. C'était pas l'idéal, mais ça nous a permis, enfin, ça lui a permis d'avoir un minimum pour pouvoir continuer à travailler et faire son année à la direction départementale, qui était une année de stage qui lui a permis de devenir titulaire par la suite. Voilà. Donc, au niveau Boris, pour répondre à ta question, oui, c'était l'idée de l'INSEP. Aujourd'hui, la gouvernance du sport crée du flou par rapport à ça. Elle crée du flou parce que même l'INSEP ne sait pas très bien quelles vont être ses missions, comment les choses vont s'organiser. On parle d'une agence du sport qui remplacerait le ministère des Sports, qui traiterait la question du haut niveau. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être l'INSEP ? Enfin, vous voyez, c'est un peu flou. Donc, pour l'instant, la procédure de labellisation et de reconnaissance de l'INSEP est un peu au point mort. Voilà. Avec, c'est pour ça que j'ai dit, on va parler sans filet. Vous connaissez les CREPS ? Voilà. Alors, il y avait Oulgat, mais il y a des CREPS sur tout le territoire français. Il n'y en a pas en Normandie. Il n'y en a plus en Normandie. On est la seule région métropolitaine à ne pas avoir de CREPS. Les CREPS, ce sont des établissements comme le Centre sportif de Normandie, mais qui sont reconnus par le ministère des Sports. Les directeurs de CREPS sont des fonctionnaires du ministère des Sports. Et actuellement, l'INSEP, son souhait, c'était de se dire, on labellise des CREPS, mais pas que. C'est-à-dire que ben, le Centre sportif de Normandie n'est pas un CREPS. Il est dans la démarche de labellisation. Vous avez la même chose en Bretagne avec Dinard, qui n'est pas un CREPS, qui est dans la démarche de labellisation. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir aussi aux structures privées. Vous aviez le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis, qui demandait une labellisation également. Actuellement, face à l'incertitude et les peurs, je pense, de chacun, la position aujourd'hui, c'est de limiter la labellisation aux CREPS. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens. N'a aucun sens parce que ni l'INSEP, ni les CREPS, ni le Centre sportif de Normandie, d'ailleurs, on peut s'attribuer l'exclusivité du sport de haut niveau et de la réussite à haut niveau. Tous les sportifs qui ramènent des médailles olympiques ne sont pas tous dans les CREPS, ne sont pas tous à l'INSEP et ne seront pas tous au Centre sportif de Normandie.
Et j'ai envie de vous dire, et tant mieux. Enfin, vous voyez, enfin, à un moment donné, c'est des parcours singuliers avec des organisations parfois très singulières. Donc, il faut l'accepter. Après, l'idée, c'est plutôt, à mon avis, que toutes ces, le Centre sportif de Normandie, les CREPS et les organisations singulières, je sais pas, familiales ou sur des, au tennis, on voit beaucoup des, vous savez, des teams très, très perso, bah, soient capables, quand ça le justifie, de travailler les uns avec les autres. Voilà. Moi, ça me gênerait pas, sur un team de tennis, par exemple, que où on va prendre Martin Vitry, alors il vit plus ici, mais qui avait une organisation liée à ses sponsors, sponsors de la glisse, hein, globalement, qu'ils viennent simplement au Centre sportif de Normandie pour prendre le médical et le paramédical. Moi, j'ai pas besoin de l'avoir dans mes murs pour me rassurer et me dire il m'appartient pas, les gens n'appartiennent à personne. Par contre, si à un moment donné il a besoin d'un accompagnement médical, et ben il vient le prendre via le Centre sportif de Normandie. Puis à l'inverse, il y a des structures qui ont besoin d'hébergement et de prise en charge complète qu'on est en capacité d'offrir. Vous voyez. Donc aujourd'hui, Boris, ça bouge pas mal. Est-ce que vous avez une certaine concurrence par des organismes privés oui. qui forment aussi des athlètes qui arrivent également au haut niveau? Oui, il y en a. Ouais. Moi, ça me gêne pas. Enfin, ça me pose pas de. Je pense très. Le Stade Malherbe de Caen n'a pas besoin du Centre sportif de Normandie pour former leurs joueurs de foot. Et tant mieux, parce que s'ils avaient besoin, ils occuperaient tous les lits. Et il y a des disciplines qui pourraient pas, des disciplines amateurs, canoë-kayak, c'est des budgets mais importants pour les familles, mais avec des ligues qui ont pas les capacités de qui font fonctionner le pôle, mais avec des moyens limités. Et pour autant, Tony Estanguet, qui a présenté la candidature aux Jeux Olympiques, il est issu de cette discipline-là. Donc il y a des disciplines où, pour ça que je l'ai dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines qui sont sur des organisations privées, comme tu le dis, on va prendre le Stade Malherbe de Caen par exemple, et il y a des disciplines qui ont besoin de ces organisations plus publiques. Voilà. Donc non, moi ça me pose pas de difficulté. Le CBC par exemple, le CBC aujourd'hui ils sont en Pro B. Ils ont ouvert un centre de formation. Ils se sont adossés au Centre sportif de Normandie. Si un jour, et c'est tout ce que je leur souhaite, ça devient un gros club de Pro A, peut-être qu'ils diront, on n'est plus huit, on arrête d'être ici, on crée notre propre structure et on sera entre basketteurs dans nos problématiques de basketteurs. Ce sont des choix, mais en tout cas, je pense pas que ça remette en cause ce modèle-là. Et je pense pas que ça pose de problème aux structures privées que ce modèle-là existe. Voilà. Le handball, enfin je regarde Charlie à chaque fois que je dis le handball. Le handball, eux, ils sont assez une position qui est, je dis pas qui est intéressante parce que je dis pas ça parce que c'est ma discipline, mais eux ils considèrent que tout le post-bac, tout le pré-bac, enfin avant le bac, doit se passer dans les établissements scolaires et avec des structures plutôt publiques. Parce qu'ils veulent garantir et verrouiller le double projet jusqu'au bac. Sur le post-bac, ils ont confié ça aux clubs professionnels et aux centres de formation des clubs professionnels. Voilà. Ils sont sur une organisation différente. Quoi. Voilà. Après, alors je sais qu'elle a une position un peu original dans son milieu, mais par exemple dans le milieu de l'équitation, si vous discutez avec Sabrine Delaveau, qui est la femme de Patrice Delaveau, qui est un cavalier de haut niveau, c'est une femme qui vous explique que l'organisation sur des petits, un peu familial, et elle considère que ça met trop souvent à mal le projet scolaire. Et vous voyez, elle travaille actuellement à Deauville pour la mise en place d'une forme de pôle espoir à Deauville, avec la cité Mauroy. Pour justement que on leur garantisse une scolarité au moins jusqu'au baccalauréat. Du coup, je m'y perds. Oui, donc la gouvernance réinterroge pas mal de choses. Alors après, je veux bien que, pardon. Diapo d'après, j'accélère.
Ça, si vous voulez, vous êtes d'accord, on passe. Enfin, en gros, je vous ai déjà un peu tout dit par rapport à ça. Je veux bien la diapo d'après. Voilà. Alors ça, c'est un exemple de ce dont la question de tout à l'heure. C'est les projets de performance des fédérations. Ça, c'est un exemple de. Ça, c'est l'organisation du judo. D'accord. Donc le judo. Donc ils ont 5700 clubs. Par rapport à la question de mono, ils ont ce qu'ils appellent des classes sportives départementales. Donc là, on n'est pas du tout encore dans le haut niveau. Alors eux, ils ont une classe sportive départementale par département. Donc il y en a une dans la Manche à Cherbourg, il y en a une à Le Chanteur à Caen, il y en a une, alors je sais jamais si elle est à, je crois qu'elle est à C dans l'Orne. Et puis vous avez la même chose en Seine-Maritime et dans l'Eure. D'accord. Donc ils essayent d'orienter entre guillemets les jeunes qu'ils ont pu détecter ici vers les classes sportives départementales, et ensuite ils intègrent le pôle espoir. D'accord. Donc il y en a 27, il y a que 22 régions, vous me direz pourquoi. Ben la Normandie, c'est un bon exemple. En fait, en région Normandie, il y en a pas un, il y en a deux. Il y en avait un à Caen, un à Rouen, parce que c'est une grosse ligue au niveau du judo. Et la Fédé et la Ligue normande a fait le choix d'avoir deux pôles. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le pôle à Caen qui draine, on va dire, les gens de la Manche, les gens du Calvados et les gens de l'Orne. Et vous avez le pôle à Rouen qui draine les gens de Seine-Maritime, de l'Eure et aussi des Parisiens. En fait, les pôles à Paris, il y a tellement de monde que parfois, ils peuvent pas prendre tout le monde. Donc à Rouen, ils récupèrent aussi des gens de Paris. D'accord? Donc nous, adossés au CSN, il y a un pôle judo. Ça représente 44 internes, 75 judokas en tout, d'accord, de la quatrième jusqu'à l'université globalement, d'accord. C'est un gros pôle, d'accord. Et après, alors c'est là où ça va bouger. Les meilleurs, alors les tout meilleurs, peuvent aller directement là, à l'INSEP, d'accord. Sinon, nous, on en a quelques-uns là qui sont partis. Ils vont en Pôle France. On a 4 en France. On a un à Talence, un à Strasbourg, un à Marseille et un à Orléans. D'accord. Donc nous, les jeunes qui sont partis, il y en a un qui est parti à Talence. Il y en a une qui est partie à... Et deux qui sont partis à Orléans. D'accord. Alors, comment ils choisissent? Là, je vous avoue que je sais pas trop. C'est pas une histoire de catégorie de poids, c'est plutôt le pôle France. Ça, j'ai pas, toujours pas très bien compris. Voilà. Et après, les meilleurs d'entre eux, des pôles France, vont à l'INSEP, d'accord. Donc des Normands, on en a quelques-uns. Des Normands ex-bas normands, il y a Joseph Terek qui a commencé dans l'Orne, dans un tout petit club, qui a fait la classe sportive, qui a fait le pôle France à Marseille et qui aujourd'hui à l'INSEP. C'est le numéro 2 français en moins de 100 kilos. Voilà. Et c'est un gars de l'Orne. Sinon, il y a le petit, c'est le plus petit, c'est Vincent, je crois, c'était deux frères, les Mancel, je sais pas si vous connaissez. Pareil, qui était de la Manche, de Cherbourg, qui a fait pareil, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le parcours de la fédé de judo. Le handball s'est organisé différemment. Enfin, je vais vous en montrer d'autres, mais voilà. Teddy Riner, lui, il est arrivé à Rouen, il a fait une année de Pôle Espoir à Rouen, et hop, il est passé directement ici. D'accord? C'est un peu un phénomène. Et là, vous avez un cahier des charges. Donc moi, là, par exemple, en septembre 2019, il y a le Pôle Espoir, là, c'est quasi officiel, mais le Pôle Espoir handball masculin. Là, ça t'aurait évité de prendre le train, Charlie. Qui était à Évreux auparavant et qui arrive à Caen. Et donc, moi, je récupère un cahier des charges comme celui-ci. Et il y a des contraintes, j'ai des obligations par rapport à l'arrivée de ce pôle. Alors, si je prends le handball, une des contraintes, c'est de disposer d'un terrain 40 mètres par 20 mètres. D'accord. Donc, à Évreux, c'était pas ça. Hein. C'était un 38-18, donc c'est trop petit. Une autre contrainte du handball masculin, c'est que le pôle soit, et j'ai pas répondu à cette question-là d'ailleurs, soit adossé à un club professionnel. D'accord?
parce que les meilleurs du pôle, normalement, doivent s'entraîner après petit à petit avec le club professionnel. D'accord. Donc oui, par rapport à cette question-là, moi je pense aussi que à terme sur les sports collectifs, les pôles espoirs vont être complètement imbriqués, y compris économiquement, dans le fonctionnement des clubs professionnels. Je pense que par exemple, alors c'est de la prospective et ce n'est que mon avis, mais je pense qu'au basket, les pôles espoirs à terme, il y aura peut-être toujours un financement de la ligue, mais il y aura aussi une contribution des clubs pro. Voire même à terme, peut-être qu'on ira sur le modèle du football où ce sera complètement intégré et géré par les clubs. Pour l'instant, il y a les fédés qui refusent ça, la fédé de Hand refuse ça, il y a beaucoup de fédés qui refusent ça en disant on veut garder une pluralité en gros, on veut pas que les jeunes soient dans l'obligation d'être très tôt, très vite dans le club pro. On veut qu'ils puissent garder un lien avec leur territoire d'origine. Voilà. Mais on a déjà ces exemples-là. Par exemple, le hockey sur glace, qui est un sport très jeune, où il n'y a pas de ligue et de comités régionaux. Les pôles espoirs, ils sont financés et portés par les clubs directement. C'est-à-dire que pôle espoir hockey sur glace de Caen, c'est un entraîneur de club et c'est le club qui le finance. Il n'a pas, c'est pas sa ligue, c'est pas son comité régional. Pour l'instant, un pôle espoir judo, c'est la ligue qui contribue. D'accord. Donc il y a un cahier des charges. Alors vous voyez, par exemple installation, là il demande un dojo de 2 à 4 surfaces réglementaires, nous on a 4 surfaces. On demande que l'entraîneur soit diplômé, on demande qu'il y ait un médecin référent, qu'il y ait un suivi médical réglementaire, qu'il y ait des cours de soutien, des cours de rattrapage. Voilà, donc il y a tout un cahier des charges qu'on doit respecter. Si le cahier des charges n'est pas respecté, la structure perd son label. D'accord ? Ok ? Oui. Est-ce que les stratégies qui ont été mises en place dans le cadre des plans de performance fédéraux, oui, par les fédérations ont pu avoir des effets sur l'émergence au niveau de certaines générations, même de l'inverse, que certaines générations ne réussissent pas à éclore de par un plan de performance fédéral, anciennement plan d'excellence sportive, qui n'était peut-être pas approprié? Oui, alors, ces organisations-là, elles ont évolué dans le temps. On parlait des sports-études tout à l'heure. Ce qui évolue quand même, c'est globalement entre le modèle des sports-études, alors avant on appelait ça les parcours d'excellence sportive, ce qu'ils veulent, c'est pas toujours facile à mettre en place, c'est qu'on soit capable d'individualiser les parcours, d'accord. Ça c'est une première tendance. Donc ça veut dire qu'ils ont tiré aussi les bilans des organisations précédentes qui faisaient apparaître leurs limites. Une des difficultés de la France aujourd'hui au niveau international, c'est qu'ils ont le sentiment qu'on individualise pas assez la formation de l'athlète, notamment sur la très haute performance, ce qui leur laisse penser que cette individualisation-là permet pas d'avoir en clair des médailles d'or de manière suffisante. Ça, c'est la première chose. Là, on constate, pareil, c'est une tendance par rapport à des conclusions passées, que ils rajeunissent l'entrée en structure, c'est-à-dire qu'ils veulent que les jeunes rentrent plus tôt en structure. En sport co, ils se sont rendus compte qu'à l'international, sur les catégories jeunes, si les jeunes ne rentraient pas en quatrième, troisième, eh ben, des fois, ils étaient en difficulté par rapport à d'autres nations. Voilà. Donc oui, chaque modèle est interrogé. Après, par rapport à ta question, il y a des fédérations qui... en fait, c'est un système qui est un peu compliqué parce que plus tu as de résultats, plus dans ton parcours de performance fédérale, tu vas avoir de moyens. Donc c'est pas facile, parce que du coup, une fédération qui a pas de résultats, si elle veut plus de résultats, elle a besoin de plus de moyens, mais comme elle a pas de résultats, elle a pas forcément plus de moyens. Vous voyez, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc par exemple la fédé de judo, il y a des fédérations, le canoë et kayak, qui traditionnellement ramènent beaucoup de médailles et sont sur un modèle sur lequel ils disposent
de beaucoup de moyens. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Non. Donc ça, c'est un premier exemple. Je veux bien la diapo d'après pour... Ça, c'est une autre organisation, d'accord ? C'est sur le cyclisme. Mais en fait, c'est celle d'après qui m'intéresse. Et en fait, ça se décline, voilà, ça se décline comme ça, en cartographie. Donc, dans les projets de performance des fédérations, la fédération, ça c'est la fédération de cyclisme, elle a décidé d'implanter un pôle par région. D'accord ? Donc là, il y en a un à Caen. Et ces pôles-là, ils sont portés, comme le judo, par la ligue ou le comité régional de cyclisme. Le financement de ces structures-là, c'est essentiellement les familles, en un, quand même, parce qu'on leur demande sur le matériel sportif, les inscriptions en compétition, et puis tout un tas de services, elles financent, et des subventions du conseil régional. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la gouvernance, elle est interrogée, c'est-à-dire que moi, je suis d'un ministère où on définit le cadre général du sport de haut niveau, en gros, on définit les règles, les moyens du ministère des Sports, c'est des moyens humains, il y a très peu de moyens financiers. Donc, les collectivités territoriales qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ces structures-là disent « Ok, nous, on veut bien continuer à financer ces structures-là, mais à un moment donné, on veut aussi pouvoir nous exprimer et donner notre avis sur les organisations et sur la politique nationale du sport de haut niveau. » Auparavant, c'était l'État qui définissait le cadre et puis les régions qui finançaient. Alors, c'est pas qu'elles n'avaient pas leur mot à dire, mais en tout cas, elles n'avaient pas une place officielle. Là, l'agence telle que ça s'oriente donnerait une place réelle et officielle aux collectivités territoriales. Ce qui est aussi une très bonne chose, parce que, qui est pour moi une très bonne chose. Là, je vous parle du financement des structures sous forme de subventions, mais je regarde la Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine, qui est un site sur Bordeaux qui est très réputé pour... Oui, justement, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais le dire après, je le drôle. Sur les vélodromes, d'accord. La piste, voilà. Alors, à Bordeaux, ça marche bien sur la piste, parce que la ville de Bordeaux est propriétaire d'un vélodrome qu'elle entretient et qu'elle met à disposition. Alors, je sais pas si c'est à titre gracieux ou pas, à la structure d'entraînement. Donc, les collectivités locales contribuent grandement aussi au fonctionnement du sport de haut niveau. D'accord ? Moi, toutes les structures, à l'exception du judo, s'entraînent à l'extérieur, dans des gymnases. Gymnase, c'est pas le centre sportif de Normandie qui est propriétaire des gymnases. D'accord ? Et par exemple, la ville de Caen ne facture rien aux structures qui bénéficient de ces gymnases. D'accord ? Donc, c'est une chaîne d'institutions et de bonne volonté par rapport à un objectif très général, qui est le rayonnement de la France à l'international. Tout le monde est d'accord, hein, globalement. Mais fallait que moi, je pense que l'agence va permettre à ce que chacun ait sa place et son mot à dire. Alors après, ça peut être pas facile à coordonner et à organiser, mais au moins tous les contributeurs auront une place par rapport à ça. La mairie peut considérer finalement que c'est pas son rôle d'accompagner Exactement. Le sport de haut niveau et de dire je préfère confier les gymnases au quatrième du collège machin parce qu'il y a une pression sur les équipements. Il pourrait le dire, c'est pas ce qu'ils disent. Hein. Moi, je connais pas, honnêtement, je connais pas de mairie ou de communauté d'agglo ou de commune qui fait ça. Mais en revanche. Ils aiment bien que la demande et que les choses soient organisées et relativement claires parce que vis-à-vis de leur administré, il faut qu'ils puissent expliquer pourquoi certains créneaux ne sont pas attribués aux scolaires pour les primaires par exemple pour une commune ou au club de la commune dont ils ont la charge quoi. Voilà. En général, ça pose pas de problème. Mais je trouve que aujourd'hui la réflexion
y a une vraie réflexion où on dit, avant c'était beaucoup l'État et le Conseil régional qui se parlaient, hein, autour du sport de haut niveau, c'est-à-dire l'organisateur, le législateur et le financeur, on va dire, globalement. Et de plus en plus, on y associe les agglos et les grosses les communes, quoi, les grosses communes. Parce qu'après, toutes ces structures-là, toutes disciplines confondues, on va pas se mentir, elles sont toutes, à des exceptions, mais toutes sur des agglomérations et des villes universitaires. C'est-à-dire que les pôles en Normandie, j'ai une diapo après, la quasi-totalité des pôles en Normandie, ils sont répartis sur Caen, Rouen et Le Havre. Vous voyez, il n'y a pas, alors il y a des exceptions, il y a une structure en voile sur Granville parce que c'est Granville, il y a une particularité et il y a une compétence. C'est un peu moins vrai quand on est par là au travers du ski. Voilà, mais voilà, c'est un sport un peu particulier. Le surf, c'est pareil, je crois qu'il y a un pôle à Anglette ici. Voilà, donc il y a quelques exceptions qui sont liées à des particularismes, mais globalement, c'est sur les agglos et les villes universitaires. Parce que c'est là où il y a les lieux d'études, les lieux de continuité, et c'est là où il y a le potentiel économique pour qu'il y ait les clubs professionnels qui émergent et qui, dans certaines disciplines, assurent une continuité de formation. J'allais vous demander si vous pouviez nous présenter, histoire qu'on se rende compte un petit peu des différents pôles qui existent en Normandie avec les sections. Ouais. Alors, je veux bien. C'est la diapo d'après, je crois. Alors au niveau de la Normandie, vous avez 20 pôles espoirs. Donc, vous voyez, je n'ai rien inventé. Hein. 8 sur l'agglomération de Caen, 8 sur la métropole de Rouen, 2 au Havre et 2 à Évreux. Sachant qu'à terme, il n'y en aura plus qu'un à Évreux, il y en aura 9 à Caen. Il y a 10 centres de formation de clubs pro, donc il y en a 3 sur Caen, le Stade Malherbe de Caen, les filles du basket à Mondeville et le CBC depuis cette année. Il y en a 2 sur Rouen, donc le club de basket et le club de hockey sur glace. 3 au Havre. Alors il y en aura peut-être 3 sur Rouen, voire 4, puisqu'il y a un projet d'accession en pro D2 en rugby. On pourrait voir derrière un club... centre de formation émergé, et puis il y a Rouen-Queville en foot, en Queville, je sais plus comment, QRM, Queville-Rouen métropole, ils vont remonter en Ligue 2, et s'ils remontent en Ligue 2, ils essaieraient de mettre en place un centre de formation. Au Havre, il y a le handball féminin, le foot, et Saint-Thomas basket, et deux à Évreux, le club de basket et le club de volley-ball. Après ça, c'est des structures labellisées. Vous avez le dispositif. Alors c'est des structures reconnues de haut niveau, mais avec des organisations particulières. C'est-à-dire le dispositif régional d'excellence kayak polo, c'est des clubs d'Avranches, de Thury-Harcourt, Condé-sur-Vire et Pont-d'Ouy, qui au niveau des collégiens, lycéens, proposent des horaires aménagés. Et ils sont regroupés régulièrement sous forme de stage. Donc ça a été construit un peu spécifiquement pour l'ex-Basse Normandie, parce qu'il y a énormément de clubs, et autour de la compétence de Maxime Goyer, qui est maintenant entraîneur et directeur des équipes de France, et qui est d'ici. D'accord ? Il a organisé ça là. Le club de voltige à Caen, où il y a c'est de la voltige aérienne. Alors eux, c'est particulier parce que la plupart, ils sont en études d'ingénieurs ou ingénieurs dans l'aéronautique, plutôt sur Toulouse. Et en fait, ils viennent à Caen parce qu'ils sont originaires de Caen et parce qu'il y a un avion avec une motorisation qui leur permet de s'entraîner. Mais c'est ce qu'on appelle une structure non permanente, qui fonctionne sous forme de stage. Et la gymnastique que je connais beaucoup. Donc ça, c'est au niveau de la Normandie. Et la diapo d'après, je sais. Juste avant, quelles peuvent être les problématiques de croisement de ces différentes structures entre des pôles qui ont une base plutôt associative, ouais, des clubs professionnels, ouais, et les structures labellisées? Est-ce que des fois le croisement fait qu'il y a des blocages dans le fonctionnement? Alors ça s'organise théoriquement, c'est-à-dire que tu fais le parallèle entre un pôle et un club professionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le pôle dans les disciplines où
dans certaines disciplines, les pôles, c'est de la compétence de la Ligue et du comité régional. Et l'étape d'après, c'est le centre de formation de clubs pro. Et là, c'est porté par les clubs professionnels. Donc ça, c'est écrit, c'est organisé. Après, il y a différents fonctionnements. Il y a des fonctionnements, si je prends le handball à Montpellier, où c'est tout est complètement intégré. C'est-à-dire que les gamins qui sont en pôle sont complètement aussi intégrés dans le fonctionnement du club et dans le fonctionnement du centre de formation. Il y a des lieux où c'est beaucoup plus dissocié. Voilà. Ça, c'est la capacité des gens à se parler et à s'organiser, en fait. Voilà. Il y a pas, là, on rentre dans des fonctionnements de personnes. Donc, oui, les choses sont normalement articulées. Lorsque certains clubs, notamment dans les sports collectifs, atteignent un certain niveau de compétition, disons le CBC par exemple, ils sont contraints finalement de se lancer dans des politiques de formation. Alors certains sont très contents parce que ça crée du capital joueur, et puis d'autres peuvent peut-être caler avec certaines réticences. Est-ce que finalement vous avez des interlocuteurs qui ont des stratégies ou un niveau d'appréhension différent du haut niveau entre finalement quelque chose qui serait contraint et subi parce que la ligue professionnelle ou la fédération dit bah maintenant tu dois te débrouiller pour avoir une structure qui forme des joueurs et ça coûte, ou d'autres qui disent bah de toute façon nous c'est dans notre nature ou ADN parce que bah de toute façon quand on fait du kayak polo à Pondouilly on peut pas faire autrement que de faire que de se lancer là-dedans quoi. Alors sans être idyllique, moi je trouve qu'à Caen, globalement, il y a une espèce de... Les structures sont plutôt convaincues de l'intérêt de former. Alors, est-ce que c'est lié aussi au contexte économique où, à un moment donné, les structures professionnelles n'ont pas non plus la possibilité d'avoir une économie... Enfin, des budgets très, très importants... sans leur permettre de former, je sais pas. La dernière en date, c'est le CBC. Le CBC, enfin, je parle sous couvert de, je les sens plutôt convaincus de l'intérêt d'avoir un centre de formation. C'est-à-dire que, alors, ils sont pas obligés, même si le règlement est fait de telle manière que, enfin, ils pouvaient ne pas avoir un centre de formation. Par contre, ils avaient l'obligation, alors c'est quoi? C'est d'avoir 5 joueurs de moins de 23 ans, c'est ça? Voilà, 4 ou 5 sur le banc, ce qui, je crois, finalement, est aussi contraignant, voire plus contraignant que d'avoir un centre de formation. Mais je crois pas que c'est ce qui les a motivés à mettre en place le centre de formation. Donc, non, sur Caen, on n'a pas de difficulté. La difficulté qu'on a plutôt sur Caen, si j'enlève le foot, la Normandie, globalement, est une terre de formation. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup de jeunes sportifs, mais la plupart sont obligés de quitter la Normandie quand ils arrivent à la haute performance. Par exemple, si je prends le cyclisme, il n'y a pas le pôle espoir cyclisme qui est adossé au centre de formation, est un très très bon pôle, vraiment, qui forme de très très bons cyclistes. La plupart sont obligés de quitter la Normandie parce que tout simplement, il n'y a pas d'équipe professionnelle normande. C'est-à-dire que la plus proche, c'est Vital, bref, c'est une équipe professionnelle qui est bretonne. D'accord ? Donc on a plutôt, Boris, ce problème-là. C'est-à-dire plutôt, on a du mal à avoir des structures d'excellence qui permettent de garder les Normands en Normandie. Voilà. Ça vient, moi, je trouve. Si on prend le paysage canet entre il y a 10 ans et aujourd'hui, le stade Malherbe est toujours là. Le CBC, maintenant, est en Pro B. J'espère qu'il y restera. Le camp de balle est en Pro League. C'est pareil, j'espère qu'il seront, et au-delà du niveau de leur équipe professionnelle, ils ont aussi des équipes réserves avec des niveaux nationaux qui permettent aux jeunes de se former.
Le hockey sur glace a un partenariat avec Rouen qui est, à mon avis, intéressant. Donc voilà, la problématique, elle est plutôt là. Elle est plutôt là. Après, les gens sont plutôt convaincus de, ouais, de l'intérêt de former. Alors, donc là, je vous ai présenté un peu le cadre. Donc nous, le Centre sportif de Normandie, alors c'est une image de synthèse, mais ça ressemble vraiment à ça. Voilà, donc c'est ce bâtiment-là, qui est juridiquement aujourd'hui un groupement d'intérêt public. Alors je veux bien... alors, c'est pas ça du tout. Non, vas-y, reviens en arrière. Il y a... Non, sur la carte, pardon. Non, on va pas y arriver. Je vais le faire. Hop. Voilà. Alors c'est les donc maintenant c'est un groupement d'intérêt public. Donc il y a deux sites. Alors c'est pour ça. Donc il y a un site à Houlgate qui est anciennement le Creps et un site à Caen. D'accord. À Houlgate, maintenant je peux le dire parce que c'est officiel, il y a 35 millions d'euros de travaux qui vont être faits. Et c'est un site qui a vocation. Alors Paul Vincent Marchand qui interviendra cette semaine, je crois, vous en parlera mieux que moi, mais qui a vocation à être une arrière-base pour accueillir des délégations internationales pour les Jeux Olympiques et qui a vocation à plutôt accueillir des équipes professionnelles, des stages, des séminaires. Voilà, le haut niveau ne se fera pas de manière permanente comme à Caen, il se fera sous forme de stages et de services ponctuels qui seront proposés là-bas. Et Caen, donc la structure que je vous ai montrée là, qui est le deuxième site, qui lui, sa vocation, c'est d'accueillir de manière permanente des structures pôles. D'accord ? Alors, un groupement d'intérêt public, pour faire simple, globalement, quand vous regardez les statuts, ça fonctionne comme une association, c'est à peu près pareil dans les organisations, avec une espèce d'assemblée générale, un conseil d'administration, et puis un directoire, entre guillemets. Ce qui change, c'est que la grosse différence, c'est que le conseil régional, par exemple, qui finance le Centre sportif de Normandie, quand vous êtes sous statut associatif, ils peuvent pas, théoriquement, être membres du conseil d'administration, puisqu'ils sont également financeurs. On considère ça comme une gestion de fait. Le groupement d'intérêt public, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les mêmes organisations. Par contre, vous pouvez prendre part à la direction et au comité directeur du groupement d'intérêt public parce que justement vous contribuez au fonctionnement de la structure. D'accord? Donc les membres du groupement d'intérêt public, c'est le conseil régional à 70% parce qu'il finance sous forme de subvention et il est propriétaire du site d'Houlgate et du site de Caen. L'État, avec la direction régionale jeunesse et sport et le rectorat à 25% chacun et le mouvement sportif qui est représenté par le comité régional olympique et sportif à hauteur de 5%. D'accord? Ça c'est les personnes qui vont constituer le comité directeur du groupement d'intérêt public. D'accord? Les membres officiels. D'accord? Alors après, je veux bien. Alors, les objectifs du Centre sportif de Normandie, globalement, là je vous parle bien que de Caen hein, pour l'instant. Auparavant, les pôles, les structures pôles qu'on a évoquées étaient dans des internats de lycée classique. C'était pas, je vous le fais vite, hein, c'était pas conforme au cahier des charges. Et une des raisons pour lesquelles cette structure-là a été construite, c'était dans des internats de 6 à 8. C'était aussi d'offrir un hébergement adapté aux sportifs. Donc maintenant, ils sont dans des chambres de 2 ou dans des chambres individuelles. D'accord? Et ça, c'est conforme au cahier des charges. L'autre objectif, c'était de proposer des solutions d'hébergement le week-end et les vacances scolaires. D'accord? Donc, on a sur 167 sportifs, on en a 14 qui sont là de manière permanente. Donc ils restent le week-end, les vacances scolaires, ils arrivent au mois d'août, ils repartent au mois de juin. D'accord? Parce qu'on a des hockeyeurs et des judokas qui sont de Saint-Pierre et Miquelon. Et puis on en a d'autres qui viennent de
du nord de la France. Enfin voilà, donc eux, ils restent de manière permanente. Et c'est aussi une fonction qui permet à des jeunes de la Manche, par exemple, qui, dans le cadre du pôle, doivent partir en compétition le week-end à Paris, bah, plutôt que de rentrer dans la Manche, aller à Paris et revenir au lycée, bah, du coup, ils restent le week-end sur la structure, en fait. D'accord ? Auparavant, c'était pas possible, ou alors fallait se débrouiller avec des amis, machin, enfin, c'était un système. D'accord. Et l'autre objectif, c'est d'offrir des services qui sont complètement, des services, services médicaux, enfin tous les services nécessaires à la réalisation du double projet. D'accord. Auparavant, chaque structure se débrouillait. C'est mutualisé. D'accord. Alors, je viens à la diapo d'après. On va la passer celle-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Centre sportif de Normandie, on accueille tout ça. D'accord. Donc, il y a le pôle espoir judo, canoë-kayak, badminton, handball féminin, cyclisme, tennis de table, mais très peu, le hockey sur glace et le CBC. Donc j'ai refait le compte, c'est pas 174, c'est 167 sportifs. Il y en a 79 d'hébergés. Et on est dans une co-gestion avec le lycée La Place. Alors, c'est-à-dire que la responsabilité de l'hébergement, du lundi au vendredi, l'internat et la surveillance est assurée par le lycée. Et du vendredi au dimanche, la surveillance et l'organisation du week-end est assurée par le Centre sportif de Normandie. Je pense que c'est un modèle qui n'existe. Il y a un autre endroit où ça fonctionne comme ça, c'est le Krebs de Font-Romeu, de Perpignan, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille avec un lycée, un lycée de haute altitude à Font-Romeu. Sinon, c'est une organisation très particulière, où à la fois les moyens de surveillance et d'internat sont portés par le lycée et par le Centre sportif de Normandie. D'accord. Après, on a des établissements scolaires avec lesquels on travaille. Donc deux collèges, le collège de Chanteur, le collège Monod. Vous voyez, tout à l'heure, vous me demandiez, on met les disciplines, on colore les établissements en fonction des disciplines. Et après, vous avez trois lycées, il en manque un, quatre lycées avec Victor Hugo. Et puis, on a à la marge d'autres lycées. On a un hockeyeur, par exemple, qui a Jules Verne en maintenance automobile. Donc, on travaille avec lui. Et on a la continuité avec l'université. Par exemple, le pôle cyclisme, il a créé cette année une structure universitaire où les meilleurs cyclistes s'entraînent avec le pôle, font leurs études à l'université, sont hébergés au Crous. Enfin, voilà, c'est des conditions... une continuité avec l'université. Le CBC, il y a combien d'universitaires sur le centre de formation? 5. Ouais, c'est ça. Et lycéens, je crois que c'est 6 ou 5. Nous, on en héberge 3. Oui. Ouais, moi, je parle que ceux qui sont. Voilà, donc ça, c'est les structures. Donc, par rapport à vos questions, on va dire peut-être à l'exception du CBC, mais sinon, il n'y a aucun sport réellement professionnel, d'accord ? Il n'y a aucune ligue professionnelle, si le cyclisme, un petit peu. Donc, vous voyez, c'est des jeunes qui ont la nécessité de réaliser un double projet parce que la question de l'insertion professionnelle à un moment ou à un autre se posera. D'accord. Oui. Oui. Bah par exemple le pôle handball masculin, c'est un constat qu'à Évreux il n'y avait pas de club professionnel, qu'il n'y avait pas de terrain conforme, enfin il y avait un certain nombre de critères qui étaient plus respectés,
Et donc c'est la direction technique nationale de la Fédé de Hand et la Ligue de Hand qui ont proposé que ce soit à Caen et qui se sont rapprochés de nous. Après, aujourd'hui, on est confronté à un problème de place. C'est-à-dire que là, avec l'arrivée du pôle espoir handball masculin, on ne pourra plus accueillir personne. Voilà. Parce qu'en termes, notamment en termes de lits, on n'a plus de lits disponibles pour pouvoir accueillir de nouvelles structures. Normalement, il ne devrait pas y en avoir d'autres, puisque toutes les structures qui sont là, plus celles du handball, doivent, comment dirais-je, sont inscrits dans les parcours de performance des fédérations jusqu'en 2024, jusqu'à l'Olympiade. Après 2024, il y a peut-être des structures là qui vont disparaître, et puis il y en a peut-être des nouvelles qui vont réapparaître. Il y a des structures qui ne nous ont pas rejoints, par exemple, je pense à Mondeville au basket féminin. Eux, pour l'instant, ils restent dans leur organisation propre. Oui. On atteint... C'est pour ça que ça ne me, par rapport à ta question, ça ne me dérange pas qu'il y ait d'autres structures annexes, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens de couvrir tous les besoins. Voilà. Après, sur la question du double projet, il y a 167 sportifs. Je vous le disais, on en parlait, il y en a 10% qui sont sur des équipes de France et sur des qui sont identifiés, ce qui représente une quinzaine de jeunes. Par le niveau national, et parmi ceux-là, il y en a un ou deux qui vivront une carrière internationale. Donc moi, mon travail, il est sur la performance, mais de manière raisonnée. C'est-à-dire que le plus important, c'est de verrouiller le double projet. D'accord ? C'est parfois une... Alors, c'est très bien... ces parcours-là, parce qu'il se crée beaucoup de liens entre sportifs, mais c'est aussi une maison un peu à des illusions quand même. On va pas se mentir, donc il faut être capable. En tout cas, moi, je m'attache à ce que même si à un moment donné le jeune constate qu'il va pas y arriver, ben qu'il sorte avec un, au moins avec son baccalauréat, et puis avec un projet derrière. Parce que il y en a très peu qui vont continuer à très haut niveau. Alors souvent ils continuent la pratique sportive sur des niveaux intermédiaires, voire sur des niveaux de compétition, on dirait régionaux, voire un petit niveau national. Mais voilà, il faut les accompagner là-dessus. Donc, on s'attache à ce que scolairement il décroche pas, à ce que socialement ça aille bien, que médicalement il soit bien, de façon à ça c'est notre tronc commun, je dirais. C'est ce qu'on leur doit. Voilà. Après, elle est très bon. On met aussi en place des choses quand ils sont vraiment performants. On commence à individualiser un petit peu le travail pour les aider à vraiment passer la marche. Je vais prendre un exemple. On a Thibaut Valogne qui est en cyclisme. Lui, Thibaut, fait partie des meilleurs Français en cyclocross et même sur la route. Lui, on a mis en place un accompagnement scolaire vraiment individualisé, un préparateur physique individualisé, et on essaye que, hop, il puisse basculer. Moi, j'ai participé au travail avec l'IUT pour que ses horaires soient aménagés. Voilà. Donc, on essaye pour cela. Mais on... Alors nous on repère rien en fait, c'est les fédés qui nous le disent. Donc on en a quelques-uns. Par exemple en badminton, c'est un jeune qui est le. On en a deux. Le petit Alex Lanier et la petite Théa Marguerite qui sont. Le petit Alex, il est champion d'Europe. Enfin, c'est le meilleur européen dans sa catégorie. Et il va même sur. Il joue même contre des je crois qu'il est sur deux années d'âge au-dessus en compétition. La petite Théa Marguerite qui doit être là, elle a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe. Donc eux, clairement, la Fédé nous les ont identifiés comme des vrais potentiels. Voilà. Même si ils disent que ce sera pas pour eux, ce sera pas 2024, ça risque d'être plutôt 2028. En canoë kayak, la Fédé nous a donné un
voilà, à identifier un jeune et nous a informé qu'il, enfin voilà, ils nous le disent quoi. Voilà. Donc c'est un potentiel 2024. Cyclisme pareil, ça, voilà, c'est les fédés qui nous disent. Voilà, nous on, après on a une vigilance particulière et puis c'est pas arrivé pour l'instant, mais il est probable qu'on se réunisse avec la fédération et le responsable de la structure pour individualiser un peu le parcours. Mais c'est pas l'essentiel de notre travail. Moi, l'essentiel de là en ce moment, par exemple, ça va être les conseils de classe, ça va être la mise en place des cours de soutien, des cours de tutorat. C'est une organisation médicale et paramédicale qui fonctionne bien et qui soit commun à tous les sportifs. C'est principalement ça. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après. Ça, je sais pas si ça peut vous intéresser. Ça montre en fait tous les partenariats qu'on a dans notre fonctionnement. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a une convention qui est passée entre le Centre sportif de Normandie et le lycée La Place sur, parce que moi je n'ai que des mineurs, donc sur la question de la responsabilité, qui est responsable à quel moment des jeunes, d'accord ? Donc notamment sur la question de l'hébergement. Et après on a des conventions avec des partenaires. Le CHU pour tout le médical et le paramédical. Nous, on travaille avec le docteur Emmanuel Rebourcière, qui est médecin du sport au CHU et qui est le responsable de la structure médicale du Centre sportif de Normandie. D'accord ? Donc lui, il vient 5 heures par semaine sur la structure et les jeunes peuvent y aller. Donc ils le voient les 5 heures où il est là et ils peuvent aller tous les jours à l'Institut Régional de Médecine du Sport, c'est nous qui organisons les rendez-vous. Et lui, après, entre guillemets, ce qu'il propose, c'est ce qu'on appelle des circuits courts, c'est-à-dire qu'un jeune qui est blessé, Charles-Élie, t'as mal à l'épaule, il garantit une imagerie sous 24 à 48 heures. Voilà. Et après, si t'as besoin de te faire opérer de l'épaule, il t'envoie via un spécialiste qui est identifié comme la personne ressource. Donc il a un spécialiste, enfin un médecin référent dans chaque spécialité du CHU. D'accord ? Voilà. Encore merci pour la présentation et toutes les informations qui nous ont été apportées. Et donc, chers étudiants, vous une bonne semaine et puis encore merci de la présentation. Merci.